Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCoolOMike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 7 de Fortnite saison 2 chapitre 3. Alors, les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h. Et le premier défi va vous demander de détruire une tourelle avec des explosifs télécommandés. Donc tout d'abord, il vous faudra des explosifs télécommandés et pour en trouver, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre le bus qui est ici à Connect Crossworld, donc juste ici. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est détruire les bâtiments avec ce bus. Après, vous pouvez utiliser un chasse-pierre sur un véhicule pour faire la même chose. Hein. Je pense que ça fonctionne aussi. Ah ouais, ça fonctionne, c'est même sûr. Mais le but, c'est de détruire tout le bâtiment pour avoir facile à trouver un explosif. Donc là, regardez, j'ai directement trouvé un explosif. Regardez, j'ai détruit un bâtiment. Il y a un explosif juste là, à côté de moi. Par contre, avec les ennemis, ça va être compliqué. Regardez, il est juste là. Hop, je le prends. Je me casse pour pas me faire tuer parce que... Ok. Je vais aller me soigner d'abord avant de vous présenter ce que vous allez faire avec ce C4. Parce que j'ai pas envie de mourir. Regardez, j'ai encore trouvé un autre C4 dans un coffre. Vous pouvez les trouver n'importe où, hein, les C4. Vous pouvez les trouver posés au sol, vous pouvez les trouver dans des coffres. Regardez, j'en trouve assez facilement. Ok, voilà, je suis tranquille. Je vais prendre juste ça en plus. Voilà, parfait. Donc, quand vous avez votre C4, ce que vous allez devoir faire, c'est de détruire une tourelle. Alors, les tourelles, normalement, c'est les tourelles qu'il y a dans les villes assiégées par les sentinelles des 7. Donc, il y en a à Daily Buggles, il y en a à Connect Crossworld, il y en a à Rocky Rills, il y en a à Condo Canyon. Et je pense que c'est tout. Et en fait, les tourelles, c'est tout simplement ces petites tourelles-là. Et ce que vous allez devoir faire... Attendez, parce que... Il va me casser la tête. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement détruire ce genre de tourelle. Donc, vous lancez un C4 dessus, boum, et vous le faites exploser. Voilà, ça détruit la tourelle. Alors, les tourelles, je vous ai dit où ça se trouvait, mais ça se trouve principalement dans les villes, à l'extérieur, donc là où il y a les routes, donc l'extérieur des routes. Donc, je pense qu'il y a une tourelle ici, ici et ici, voire peut-être même au milieu. Donc, c'est pareil pour Daily Buggles. Attendez, attendez, je me fais tirer dessus. Ok, donc c'est pareil pour Daily Buggles. À mon avis, il y a une tourelle qui se trouve ici et ici. Par exemple, je sais pas moi, à Condoc au Sanctuaire, il y a des tourelles qui se trouvent en plein milieu. À Rocky Rill, je pense que ça doit se trouver dans les extrémités, hein, genre ici. À Condo Canyon, ça doit se trouver aussi dans les extrémités, genre ici, ici, voire peut-être même ici. Et voilà, je pense que c'est tout. Donc, vous détruisez une tourelle comme ça. Si ça ne fonctionne pas, si ce genre de tourelle ne fonctionne pas, c'est qu'il parle des tourelles, des canons qui se trouvent sur les dirigeables là-haut. Enfin, même, il y en a un peu partout. Je vais vous afficher une map avec tous les canons de Fortnite chapitre 3 saison 2. Mais je ne suis pas sûr que c'est des canons qui parlent. Je pense vraiment que c'est des tourelles de défense qu'il y a dans les villes où les sentinelles des 7 ont assiégé la ville. Après, regardez, là, il y a une tour. Enfin, il y a un canon, plutôt. Donc, ce que vous faites, si ça marche pas avec les tourelles que je vous ai montrées, bah, vous essayez de le faire avec, avec les canons. Et peut-être que ça fonctionnera. Donc, les canons, il y en a sur les dirigeables. Et il y en a bah, partout, je vous ai montré. Sur la mini-carte que je vous ai montré. Donc, pareil, hein, ce que vous faites, si ça fonctionne pas avec les tourelles, vous mettez un C4 sur le canon, vous le faites exploser et voilà, logiquement, bah, ça terminera le défi si ça n'a pas fonctionné avec les autres tourelles. Et dès que vous aurez détruit une tourelle, bah, là, vous aurez gagné, vous aurez terminé le défi et vous gagnerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de visiter différents lieux-dits en une seule partie. Donc, les lieux-dits, c'est tout simplement les noms des villes que vous voyez. Donc, par exemple, l'état-major, c'est un lieu-dit, Logjam, Shifty Shaft, Sleepy, tous les lieux écrits sur la map, ça, c'est des lieux-dits. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est visiter 5 lieux-dits en une seule partie. Donc, moi, ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est de vous diriger à l'état-major enfoui, donc juste ici, et vous allez utiliser, en fait, les canons pour vous propulser, en fait, et pour vous déplacer plus vite pour réaliser le défi plus facilement. Donc, regardez, le canon là, le canon à siège, vous allez l'utiliser. Donc là, vous atterrissez
à l'état-major. Donc ça fait déjà un lieu dit en début de partie directement. Vous atterrissez ici. Ensuite, vous prenez le canon de l'état-major. Et là, vous allez pinguer la forteresse. Donc vous, la forteresse. Donc vous visez la forteresse. Ensuite, dans le canon, il faut viser avec L1. Puis ensuite, tirer avec R1. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous allez vers la forteresse. Et là, regardez, il y a un autre canon. Donc je vais peut-être juste mal tomber. Non, c'est bon, ça passe. Juste que j'arrive à remonter. Donc essayez de tirer un petit peu plus haut que moi j'ai fait dans le gameplay, parce que sinon vous atterrissez un peu trop bas. Donc ça, c'est le deuxième lieu dit visité. Voilà. Ensuite, vous visez Tilted Tower. Donc hop, vous maintenez visé avec votre canon. Ensuite, vous tirez pour vous propulser et vous allez vers Tilted Tower. Donc moi, je vous conseille quand même d'aller un peu plus sur la gauche, voire même viser le canon là-bas. Mais c'est pas grave, si vous visez un peu trop bas, ben vous allez vous servir du canon qui est juste là. Donc hop, vous allez sur le deuxième canon. Donc là, ça fait déjà trois lieux dits visités en même pas quelques secondes. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est viser ici plus ou moins. Il y a un canon qui est un petit peu plus loin. Vous visez, vous tirez et vous allez chercher le canon qui est juste là-bas, regardez. Donc j'aurais peut-être même dû tirer un peu plus haut pour atterrir sur le canon un peu plus facilement. Mais bon, c'est pas grave, ça passe. Hop, vous montez, vous allez sur le canon qui est juste là. Regardez, juste ici. Hop, vous le prenez. Et là, vous allez vous diriger au sanctuaire. Vous pinguez le sanctuaire. Vous visez le sanctuaire. Vous tirez assez haut, comme ceci. Et là, vous ouvrez votre parachute le plus haut possible. Regardez, là, il y a un planeur. Enfin, il y a un autre canon. Et ce que vous allez faire, c'est le réutiliser pour voyager encore une autre fois plus rapidement. Mais là, ce que vous allez faire, parce que je ne sais pas que si vous atterrissez ici, je ne sais pas si ça va faire en sorte que ça va valider le lieu dit du sanctuaire. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez le petit véhicule qui est là. Vous allez vite fait jusqu'au sanctuaire pour être sûr de bien valider l'emplacement. De toute façon, quand vous vous approchez du sanctuaire, normalement, vous aurez une indication qui vous dit que ça valide le quatrième emplacement. Voilà, vous allez jusqu'au sanctuaire. Quand l'emplacement est validé, ben vous faites demi-tour et vous retournez vers le dernier canon qui était juste là. Et là, vous allez utiliser ce dernier canon pour vous diriger vers Kone Crossworld. Donc ça veut dire qu'en quelques minutes, en 2-3 minutes, ben vous aurez terminé le défi. Hop, je vais près du canon. Alors très important pour ce canon-là, je ne sais pas pourquoi, mais il faut détruire cette rampe, ou sinon ça va vous envoyer totalement à gauche. En fait, ça va pas vous envoyer où vous allez viser, ça va faire foirer votre dégagement. Donc ce que vous faites là maintenant, c'est que vous visez Kone Crossworld, vous pinguez, vous visez, vous tirez, et là regardez, comme j'ai détruit la rampe, ça m'envoie directement tout droit. Sinon je sais pas pourquoi ça bug et ça vous envoie sur le côté. Donc cassez bien la petite rampe qui est en face du canon pour pas être propulsé sur le côté. Et là, dès que vous allez arriver à Kone Crossworld, là vous aurez visité 5 lieux dits en une seule partie. Donc vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de mettre un char d'assaut hors d'usage en endommageant le moteur. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des chars de Fortnite chapitre 3 saison 2. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à cet emplacement là, donc à côté de l'état-major enfoui. Donc je pense que c'est plus ou moins par ici. Il y a un char qui normalement nous attend. Donc ce que vous allez devoir faire déjà, c'est de vous trouver une arme. Donc regardez, le char est juste en bas. En espérant que le mec ne prenne pas le char. Donc non, ça va, il ne se dirige pas vers le char, donc parfait. Donc ce que vous allez faire, c'est déjà de trouver une arme. Parce que pour endommager le char, il vous faudra n'importe quelle arme. Mais il vous faudra au moins une arme. Donc là, hop, je vais récupérer ces deux armes là que j'ai trouvées. Tac, tac. Avec celle-là avec. Parfait. Peut-être prendre une caisse de munitions. Normalement, il faut pas énormément de munitions, mais voilà, prenez des munitions au cas où. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire pour endommager le char, c'est tirer dans son moteur. Alors, son moteur, c'est pas devant. Non, c'est pas devant, c'est derrière. Donc, c'est les deux trucs que vous voyez ici. Donc ça, c'est son moteur. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement tirer dans ce moteur pour endommager le char. Donc là, normalement, il est endommagé, hein, parce que regardez, il y a des feux qui sortent. Et que si je monte, regardez, désactivation temporaire sur chauffe du moteur. Donc voilà, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement tirer à l'arrière du char. Après, bien entendu, il refroidit, donc on peut l'utiliser.
Mais pour endommager le moteur et le mettre hors d'usage, il faut tirer dans son moteur. Comme ça, vous ne pouvez plus l'utiliser et personne ne peut l'utiliser pendant un large temps, enfin un petit moment. Alors, je ne sais pas s'il vous faut absolument un adversaire qui contrôle le char. Je ne pense pas parce que dans le défi, il n'est pas noté. Mais au cas où, s'il vous faut un adversaire à l'intérieur ou même des gardes de l'IO, bah, n'hésitez pas à aller par exemple à Tinted Tower directement. Là, il y a un char en plein milieu. Il y a sûrement quelqu'un qui va le prendre, donc dès que quelqu'un le prend, bah, boum, vous tirez à l'arrière du char et vous endommagez le moteur. Dès que ce sera fait, bah, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de récupérer les provisions volées au set à des lieux de l'IO. Donc là dans le gameplay, je vous montre l'emplacement des provisions volées. Donc regardez ici à côté de Log Jam, dans cette petite allée entre les deux collines, il y a des provisions qui sont juste ici à côté de la pierre et à côté du sapin. Donc ça, ce sont les provisions. Ce que vous allez devoir faire, c'est en récupérer 3. Donc là, je vous en montre un à côté de Logjam Lumberyard. Là, je vais vous en montrer un à côté de la foreuse qu'on peut voir juste ici en face de moi, en face là. Donc vous allez devoir aller près de la foreuse qui s'appelle la forteresse et vous allez près de la pompe à essence. Et là, derrière la pompe à essence, juste ici à côté de la poubelle, il y a d'autres emplacements de provisions volées. Vous vous rendez ici, vous récupérez les deuxièmes emplacements, les deuxièmes provisions. Et ensuite, vous vous rendez dans l'état-major enfoui, juste ici. Vous passez le trou dans la colline. Et là, regardez, normalement, les provisions devraient se trouver juste ici, en dessous de l'escalier. Donc, parfait. Dès que vous aurez récupéré les trois emplacements des provisions, j'ai vraiment du mal avec ce mot, c'est incroyable, des provisions, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de détruire des structures avec un chasse-pierre. Alors, pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher un bus de combat. Enfin, il y a deux solutions. Soit vous allez chercher un bus de combat avec un chasse-pierre déjà équipé, par exemple à Connect Crossword. De toute façon, là, je vous affiche une map avec tous les emplacements des bus de combat de Fortnite, chapitre 3, saison 2. Ou soit vous utilisez un véhicule avec un chasse-pierre. Bon, après, il faut trouver un chasse-pierre pour le poser sur un véhicule. Alors, c'est pas trop compliqué, mais bon, voilà. Alors, la première solution, c'est d'utiliser le bus de combat qui est juste devant moi. Hop, vous utilisez ce bus et ensuite vous détruisez les bâtiments, toute la base des bâtiments pour que ça détruise l'entièreté du bâtiment. Comme ça, vous allez réussir le défi très facilement parce qu'il faut détruire 200 structures ou 300 structures pour terminer le défi. Donc, si vous passez dans un bâtiment et que vous détruisez toutes les structures, bah, ce sera assez rapide. Après, je vous conseille quand même la voiture avec un chasse-pierre parce que c'est beaucoup plus facile de le réaliser avec une voiture avec un chasse-pierre. Parce que regardez, le bus, il bloque quand il y a deux étages, ben il bloque pour détruire le bâtiment, c'est pas très efficace. Alors, pour trouver un chasse-pierre, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller à Rocky Reels, donc juste ici. Et là, vous allez voir que ben, bien souvent, je trouve des chasse-pierres, donc il y en a un peu partout. Hein. Les chasse-pierres peuvent être posés au sol, comme ça, posés au sol normal. Ou vous pouvez les trouver aussi dans des coffres à outils rouges. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous allez à Rocky Reels et vous cherchez après un chasse-pierre posé au sol. Donc, si vous n'en trouvez pas, il faudra relancer une game ou chercher autre part dans la map. Mais bien souvent, les chasse-pierres, j'en trouve toujours un ou deux dans les environs. Donc voilà, regardez, ça, c'est un chasse-pierre. Et là, je vois qu'il y a une boîte à outils rouges. Donc ça, c'est ce qu'il vous faudra. Donc dès que vous trouvez ça, vous le prenez. Et aussi, dans les boîtes à outils, ouais, il y en a même deux, regardez. Dans les boîtes à outils rouges, vous pouvez aussi trouver des chasse-pierres. Regardez, hop, j'ai encore deux chasse-pierres ici. Là, il y a une autre boîte à outils rouge. Et là, il me donne des pneus tout-terrain. Alors, les boîtes à outils rouges, je peux vous donner aussi des pneus tout-terrain et des chalumeaux. Donc, ça ne donne pas des chasse-pierres à tous les coups. Mais bon, voilà, c'est une question un peu de chance. Mais je pense que Rocky Reels, pour trouver un chasse-pierre, vous avez de grandes chances d'en trouver un. Donc, quand vous avez un chasse-pierre, ce que vous allez devoir faire, c'est le mettre sur un véhicule. Donc, vous visez avec le chasse-pierre dans votre inventaire, dans vos mains, et vous le lancez sur un véhicule. Ensuite, regardez, ça se place sur le devant du véhicule. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement détruire 200 structures avec un chasse-pierre. Donc, ce que vous faites, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de foncer dans les bâtiments, hein, c'est sûr, mais de casser tous les murs qui portent le bâtiment.
Comme ça, ben, en fait, ça va faire en sorte que le bâtiment entier va s'écrouler. Et là, ben, ça augmentera la destruction des structures. Donc, hop, je casse ça. Je casse ça. Et là, regardez, tout le bâtiment se casse. Et ça augmentera la destruction de vos structures. Dès que vous aurez cassé 200, 200 structures avec un véhicule qui a un chasse-pierre équipé, ben là, vous terminerez le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à la tête avec le fusil d'assaillant à rafale. Donc, le fusil d'assaillant à rafale, c'est cette arme-là, voilà, que vous voyez dans le gameplay. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est trouver une arme comme celle-ci. Et ensuite, vous allez devoir infliger des dégâts à la tête. Alors, il faudra infliger 200 de dégâts aux adversaires. Donc, après, il n'est pas noté adversaire dans le défi. Donc, ça peut fonctionner contre les gardes de l'IO. Et bah, ça peut fonctionner aussi contre les adversaires. Mais par exemple, regardez, vous trouvez un garde de l'IO. Vous tirez dans la tête, voilà, comme ceci. Voire même hein, les agents des 7. Regardez, comme je vais tirer dessus, ça devient un adversaire. Donc, peut-être que ça fonctionne aussi avec les agents des 7 qui tiennent avec nous. Mais voilà, essayez, si ça marche, ben tant mieux. Sinon, il faudra le faire contre les gardes de l'IO et contre des adversaires. Et dès que vous aurez infligé 200 de dégâts à la tête avec cette arme, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec le chalumeau de réparation. Donc, le chalumeau de réparation, c'est ceci, hop. Vous allez pouvoir en trouver par terre, au sol, n'importe où sur la map de Fortnite, mais vous pouvez aussi les trouver dans des boîtes à outils rouges. Donc quand vous avez un chalumeau, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts à 5 adversaires différents. Donc moi, ce que je pense, enfin peut-être ça va pas fonctionner, mais j'ai une petite astuce pour réaliser ce défi, c'est d'aller près des personnages. Donc vous allez près des personnages et là, vous lui infligez directement des dégâts avec le chalumeau et puis vous vous cassez directement. Parce que si vous restez près du personnage, ben il risque de vous attaquer et de vous tuer. Donc si ça ne fonctionne pas sur les personnages, vous pouvez toujours essayer contre les sentinelles. Donc les sentinelles des 7, vous pouvez en trouver dans chaque ville. Donc par exemple à Daily Bugles, à Kone Crossworld, à Kondo Canyon, à Rocky Reels, et je pense à Synapse Station aussi je pense. Et je pense qu'aussi à cette épisode, vous allez pouvoir en trouver. Donc voilà, ils sont pas partout, mais il y en a quand même pas mal dans pas mal de villes. Donc ce que vous allez faire, c'est d'aller près d'une sentinelle des 7. Enfin, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Et ensuite, vous allez faire la même chose qu'avec le personnage que je viens de faire là. Donc si ça ne fonctionne pas contre les sentinelles, vous pouvez essayer contre les gardes de l'IO. Ça peut fonctionner aussi sur les gardes de l'IO. Et si ça ne fonctionne pas sur les gardes de l'IO, ni sur les sentinelles et les PNJ, donc les personnages de la map, bah là, il faudra vraiment infliger des dégâts à 5 adversaires, donc de vrais joueurs, pour réaliser le défi. Donc si c'est contre les vrais joueurs, bah, ça va être compliqué. Après, c'est réalisable, mais il faudra bien s'approcher discrètement de l'adversaire et essayer de lui infliger des dégâts. Donc ça va être compliqué, mais c'est réalisable et ça donne un petit peu de challenge. Mais bon, si ça marche, par exemple, ça c'est une sentinelle des 7, si ça marche avec eux, ce que vous faites, c'est que vous venez ici, vous infligez des dégâts comme ça, ensuite vous vous cassez parce qu'après, ben, vous infligez des dégâts directement et quand vous êtes tout proche d'eux, ben, ça va être un peu compliqué parce que quand vous êtes tout proche, les gardes, enfin les bots peuvent vous toucher facilement. Donc moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de vous mettre du shield. Mettez-vous du shield énormément avant de le faire. Mettez-vous à 100 de shield et 100 de points de vie avant de faire ça. Donc moi, maintenant, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez le faire sur les gardes de l'IO au cas où ça ne fonctionnerait pas contre les personnages ou contre les sentinelles des 7. Et ben, je vais vous montrer un autre emplacement où vous allez pouvoir le faire contre les gardes de l'IO. Alors, vous avez deux possibilités pour trouver des gardes de l'IO. Enfin, même trois. Soit vous allez à l'affrontement, mais je pense que c'est un peu trop risqué parce que les gardes de l'IO sont trop côte à côte. Soit vous allez à la forteresse, mais je pense que c'est aussi trop risqué parce que les gardes sont trop collés un sur l'autre. Donc, si vous allez tirer sur un garde de l'IO avec votre chalumeau, ils vont tous vous allumer, donc ça va être compliqué. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller à la forteresse de l'état-major enfoui. Enfin, forteresse, non, c'est pas la forteresse, c'est l'état-major enfoui. Excusez-moi. Donc, vous allez ici. Et là, vous allez chercher après des sentinelles. Ils sont assez dispersés. Donc, regardez, hop, je lui inflige des dégâts. Voilà. Ensuite, je me casse. Ils sont assez nuls en plus dans les tirs. Donc, ce sera plus facilement réalisable. Après, j'espère que ça fonctionnera contre les gardes de l'IO. Donc là, j'en ai infligé sur un. Ce que je fais, ben, c'est que je continue à voyager dans la grotte. Et je cherche un autre garde de l'IO. Donc, normalement, il y en a un peu partout. Vous n'allez pas galérer à en trouver normalement. Donc là, je vais en chercher un deuxième.
C'est bizarre. Je pense qu'ils sont tous à l'attaque ou quoi? Il n'y a plus personne ou quoi ici? C'est quoi ce délire? D'habitude, il y a toujours beaucoup de monde. Là, il n'y a personne. Je vais monter sur le dirigeable pour voir. Peut-être que j'aurai plus de chances d'en trouver. Ah, d'accord. Ok. On va monter par de l'autre côté. Hein. Ok, donc voyons voir si il y a des sentinelles, enfin des gardes de l'IO par ici. Bah, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'ils sont tous au combat. Donc s'ils sont tous au combat, ben vous aurez pas le choix d'aller à la forteresse. Ah si, c'est bon, je vois quelqu'un, je vois des pas. Il y a peut-être moyen. Alors je ne sais pas où il est exactement. Ah, il est juste en dessous de moi. Donc ça fera que deux gardes de l'IO. Donc hop, oh, en plus il m'a mis un de ses one. Mais voilà, vous avez compris le principe. Hein. Si jamais ça ne fonctionne pas contre les gardes de l'IO non plus, bah là il faudra le faire contre les adversaires réels. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'accomplir un contrat d'un tableau de contrat. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un tableau des contrats. Donc, pour vous aider à trouver un tableau des contrats, je vous l'affiche. Je vous affiche une map avec tous les emplacements des tableaux de contrats de Fortnite saison 2, chapitre 3. Donc moi, regardez, je me rends à Burg Genesi. Regardez, il y a une petite cible en forme de logo qui m'indique où se trouve le tableau des contrats. Donc hop, je m'y dirige. Donc il doit être pas être loin. À mon avis, il est dans le sous-sol. Hop, on va descendre. Ouais, il est bien au sous-sol, on peut le voir. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est accepter le contrat. Voilà, vous acceptez le contrat. Donc maintenant, je vais devoir éliminer le 2 avec un nom arabe. Je ne saurais pas le dire. Je ne saurais pas le lire parce que ben voilà. Et en fait, pour savoir où il se trouve, vous avez une petite zone au jaune qui vient d'apparaître sur votre map. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est aller dans cette zone et chercher le skin en question. Donc le skin en question, c'est le skin qui est affiché en haut à gauche de l'écran. Donc là, il est marqué quête urgente, éliminer 2 avec le nom d'arabe. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est trouver le skin qui est affiché en haut à gauche. Donc c'est le skin. Je ne sais pas c'est lequel le skin, mais enfin voilà, je vois c'est lequel. Donc regardez, je pense que c'est celui-là, justement, je pense qu'il est juste devant moi. Donc hop, on va aller l'éliminer. Ok, voilà, je l'ai éliminé. Et là, j'ai terminé le contrat. Donc contrat accompli. Dès que vous aurez terminé le contrat, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de ravitailler un véhicule en essence. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir ici, en plein milieu de la map. Donc là, juste ici, il y a une pompe à essence. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement trouver un véhicule. Donc, normalement, il y en a au moins 3-4 qui traînent là-bas. C'est la plus grosse pompe à essence de Fortnite. Donc, vous n'allez pas galérer à trouver un véhicule. Donc, dès que vous avez un véhicule, bah, vous allez près d'une pompe à essence. Et vous allez remplir le véhicule d'essence. Donc regardez, là il y a un véhicule. Rentrez dedans si vous voulez, mais je pense que c'est pas obligatoire. Ensuite, vous allez près de la pompe à essence, vous prenez le jerrycan et enfin pas le jerrycan, mais le pistolet. Et là, vous allez tout simplement ravitailler votre véhicule en essence. Donc pour terminer le défi, il faudra ravitailler de 50% d'essence. Donc là, j'ai pas assez. Je vais regarder si je peux remplir le camion, mais il faudra remplir 50% d'essence. Les véhicules, donc là il est à 100%, donc au pire ce que vous faites, c'est que vous voyagez un peu avec le véhicule pour user de l'essence et ensuite ben, vous le ravitaillez dès qu'il lui manque de l'essence. Donc voilà, dès que vous aurez ravitaillé de 50% d'essence un véhicule ou plusieurs véhicules, peu importe, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 7 de Fortnite saison 2 chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace!